bonjour à tous. Donc je vais vous montrer le montage d'une bâche en abri en forme de A, avec la particularité d'avoir été confectionnée avec un seul type de nœud. Ce nœud, c'est le nœud tendeur. Donc on va commencer par le premier arbre où vient se fixer la faîtière, où là vous voyez le fameux nœud tendeur avec une boucle qui va servir de dégrafage rapide. Voilà. On continue la faîtière pour se diriger vers la bâche avec le premier œillet où il y a de nouveau le nœud tendeur, mais cette fois-ci sans dégrafage rapide puisque ce nœud reste à demeure. La bâche est fixée sur la faîtière elle aussi par un nœud tendeur avec le dégrafage rapide. C'est toujours le même nœud. On continue au niveau des œillets de la bâche fixée à la sardine. Donc vous voyez, pour l'œillet en tissu, c'est toujours un nœud tendeur sans dégrafage rapide puisqu'il reste à demeure. Et enfin, un nœud tendeur avec un dégrafage rapide pour la sardine. Et enfin, on va terminer par le dernier nœud qui est de l'autre côté. Donc vous voyez toujours la bâche sur la faîtière, nœud tendeur, dégrafage rapide. Et le deuxième arbre, nœud tendeur, toujours le même nœud avec le fameux dégrafage rapide. Et voilà l'abri en A, confectionné avec un seul type de nœud, le nœud tendeur. Ok, donc maintenant nous allons passer à la confection du nœud. Alors, nous avons le courant ici et le dormant qui est là. Donc je prends le courant, je ne le passe pas par-dessus le dormant. Je vais faire 3 tours à l'intérieur de la grande boucle. 1, 2 et 3 tours. Une fois que j'ai fait ces 3 tours, je resserre. Je vais faire un quatrième tour, mais cette fois-ci au-dessus de la grande boucle, à ce niveau. Là, ça me fait une petite boucle et je viens finir le nœud en repassant le courant dans la petite boucle. Et là, je serre. Voilà, là j'ai le nœud qui est fait, mais sans dégrafage rapide. Voilà. Si je veux faire le dégrafage rapide, je refais toujours, je prends toujours mon courant, je fais toujours mes 3 tours dans un grand boucle. Le quatrième tour qui sera au-dessus de la grande boucle, et cette fois-ci je fais une boucle qui passe dans cette petite boucle et là je serre. Voilà, et là j'ai mon dégrafage rapide. Voilà, si je veux assurer mon dégrafage rapide pour éviter qu'il se défasse par inadvertance, je peux mettre un bout de bois, je tends et là je peux serrer, il va pas se défaire. Si je veux défaire, je tire sur le bout de bois et j'ai plus qu'à tirer dessus, on le verra tout à l'heure. Maintenant faire ce même nœud. On considère que là, ce côté, ça va sur la bâche. Donc la bâche que je vais fixer sur la faîtière. Et bien c'est pareil. Je prends mon courant, je fais 3 tours. Le quatrième tour, je le passe au-dessus. Et je viens finir avec un dégrafage rapide ou pas, suivant ce que je veux faire. Donc vous voyez, dans ce sens, pour tendre la bâche, ça coulisse. Si je vais dans l'autre sens, ça maintient. Maintenant, si je veux le défaire, vous voyez, dégrafage rapide, j'ai plus qu'à tirer dessus. Et je défais. Si je veux défaire au niveau de la faîtière, pareil. Une fois que j'ai enlevé le bois, je tire dessus. Et ça se défait. Donc pour finir, on va voir d'autres utilités pour ce nœud tendeur. Je voulais suspendre des objets pour les protéger. Donc là, j'ai fait le tour de la branche avec la corde. Qu'est-ce que j'ai fait, bien sûr? Un nœud tendeur. Ma corde était pas assez longue, je l'ai rajouté avec une autre par l'intermédiaire de 2 nœuds tendeurs. Donc il peut faire aussi nœud d'ajout. Et enfin, j'ai suspendu mon objet que je voulais protéger. Là, c'est un bidon, pas un nœud tendeur. Donc, une multitude d'utilités pour ce nœud. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à Casservie.